Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler du roi des festivals, Inosby. Après un très long silence, on ne savait même pas où est-ce qu'il était passé, pourtant il vient de sortir un son en collaboration avec Rebochu. D'ailleurs, il se raconte qu'il aurait mis la meuf en cloque. On sait toujours pas si la meuf est vraiment enceinte ou pas. Ça, c'est un sujet qui reviendra plus tard. Mais pendant qu'il a un son sur le marché, il y a une collaboration qu'il avait fait qui est sortie, à peine on a entendu parler, et puis après ça a disparu, et puis il a sorti une collaboration avec Rebochu. À peine c'est sorti, après on n'entend plus parler de ça, Inosby fait son apparition. Comme par hasard. Encore sur une affaire qui concerne Fally Ipupa. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette fois-là? C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Prenez vos verres de cocktail marmaillé, un peu de l'icalacon, qui un peu de l'ipela, un peu de l'idamé, s'il vous plaît. Mettez-moi un peu de piquant, du gingembre et tout ça, que ça fasse fort. OK? Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je tiens à rappeler à tous les abonnés de Demeure Officielle, tous mes winners et ceux qui sont ici pour la toute première fois, abonnez-vous tout simplement parce que ce 27 juillet, un grand événement nous attend, n'est-ce pas? À 20h pile. Donc, vous aurez droit au tout premier numéro, au tout premier épisode de votre série Victime. Une série de Demeure Officielle, OK? C'est déjà pour ce 27 juillet. Installez-vous, soyez prêts, activez la cloche de notification. Je vous ai mis déjà l'extrait, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste en bas. Allez voir l'extrait et aussi vous avez l'interview des acteurs, ils se sont tous présentés. Vous n'allez pas commencer une série sans savoir qu'est-ce que vous allez rencontrer en face de vous. D'accord? Allez faire un tour aussi sur l'interview, allez savourer parce que le grand jour c'est ce 27 juillet. Et quand nous commençons le 27 juillet, nous démarrons et nous allons jusqu'au tout dernier un numéro, OK? N'est-ce pas? Installez-vous, tenez-vous prêt, partagez massivement le lien de cette série, consommez ça parce que de toute façon, si en français, c'est pour toutes les communautés, chez nous et partout ailleurs, n'est-ce pas? Et ceux qui parlent pas le français, qui parlent qu'anglais, prochainement, on va sous-titrer ça, on vous le promet. Mais les amis francophones, aidez-nous à faire la traduction hein, pour vos amis qui parlent d'autres langues, le chinois, l'araméen, l'anglais, le lingala et tout ça. Aidez-nous à faire la traduction, même les dialectes, hein, aidez-nous à faire la traduction. D'abord, on a visé la communauté francophone, il y a un tout petit peu de lingala, mais il y a plus de français. Prochainement, on va sous-titrer en anglais, ça c'est sûr, on vous le promet. Mais dans l'autre temps, consommez la série Victime parce qu'il y a des leçons à tirer à l'intérieur, il n'y a que du bon. Et la prochaine série, ce n'est pas pour longtemps, consommez d'abord celle-là. La façon dont vous allez consommer la série Victime va nous motiver encore plus pour qu'on vous fasse encore des bombes. Et au-delà même de ce qu'on vous a proposé, ça, ce n'est qu'un avant-goût. N'est-ce pas? Eh, hey, les warriors de Fally Ipupa, je compte sur vous pour un maximum de partage du lien de cette vidéo. Enfin, de mes séries, bien entendu, je disais. Et également les motivés de Gaz Maouete et tout ça. Les fans de tous, les artistes, comédiens ou musiciens. Ça, c'est votre petit bébé, c'est votre loulou. Je vous prie de l'accueillir à bras ouverts. Mais également, pour ceux qui veulent un sac à main en pagne de la marque D.O. Demeure Officielle ou encore Winners, n'hésitez pas de passer votre commande parce que sur le sac, on mettra votre nom, mais l'initiale de D.O. ne manquera pas, bien entendu. Les commandes des sacs en pagne se font déjà. On vous livre à Kinshasa. Vous êtes livré dans les provinces, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je vais poser la question à Manika Couture, mais je sais qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, on peut vous livrer, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas de passer les commandes au numéro affiché là. Vanessa Erwig sera de retour bientôt. Tenez-vous prêts parce que les bonnes choses sont à venir. Vous aimerez faire partie des personnes qui vont nous accompagner dans les prochaines séries. Vous aimerez être mécène, partenaire, sponsor. N'hésitez pas de nous contacter sur ce numéro-là. On va vous accueillir à bras ouverts. D'accord? Bisous là-bas. Tenez l'extrait de la série et on se retrouve juste après. Let's go! Après tout ce que moi je fais pour toi, c'est comme ça que tu me payes. Je suis homosexuel, je n'ai jamais couché avec ça. Arrête ça, je t'aime. Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça, s'il te plaît, arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît, arrête ça.
Oui, je t'aime, Ryan. Je t'ai toujours aimé. Quand on va commencer à rester éveillé tardivement la nuit, à former du moitié, mais regarde en même temps. Hein? Je reconnais que mon fils, hein, sa soeur est là, tu sais. C'est un garçon trop capricieux. C'est toi qui vas me dire. Je ne t'avais pas pris, j'étais habillée, j'étais maquillée. Tu t'es dit, tu es obligé de te marier. Toutefois, ce que moi je t'ai dit était une voix extérieure. Seigneur. Tu avais le devoir d'écouter ton intérieur. Voilà, j'espère que vous avez suivi l'extrait de la série, donc il n'y a rien à dire de plus. Alors, revenons sur notre sujet du roi des festivals. Notre très cher Inosby, réputé pour faire des pics et des clashs et tout ça, parce que quand il sent un tout petit peu qu'il n'est pas trop d'actualité, il faudrait bien qu'il puisse faire appel à un perroquet, à un oiseau, à une poule, à un coq, pour faire allusion à, vous savez tous, n'est-ce pas? Encore heureux que dans cette collaboration qu'il a fait avec Rebo Chulu, il n'a pas eu à utiliser les oiseaux et tout ça. Nanana. En tout cas, encore heureux parce que j'attendais voir un pigeon et tout. Mais je pense qu'il le regrette amèrement parce que de toute façon, la chanson a commencé et puis c'est fini seulement là-bas. On se pose des questions. Voilà pourquoi il a dit, bon, comme le concert de Fally Ipupa en Tanzanie est annulé, pourquoi ne pas ressortir et m'accrocher à ça pour m'attirer un peu de regard et que les gens parlent de moi, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, Fally Ipupa avait deux concerts en Tanzanie. Alors, pour des raisons sanitaires et surtout pour des raisons de protection et réduire le taux de contamination avec cette histoire de Covid, dans tout le pays, partout à travers le monde, les autorités essaient de réduire le risque de contamination. D'ailleurs, nous sommes tous obligés d'être vaccinés parce que désormais, pour se balader, il faudrait avoir cette carte qui atteste que tu es bel et bien vacciné. Alors, le gouvernement tanzanien a décidé d'annuler et de reporter la plupart de concerts. Alors, les organisateurs du concert de Fally en Tanzanie n'avaient pas de choix, ils ne pouvaient que se plier à la décision du gouvernement. Du coup, ils ont décidé de reporter le concert pour une date ultérieure en attendant que la situation se calme. Du coup, ils ont communiqué sur le report du concert sur leurs réseaux sociaux respectifs, mais également sur les réseaux sociaux de l'artiste Fally pour aussi le communiquer et passer. De toute façon, même ici en RDC, lorsque le gouvernement a décidé que qu'il n'y ait pas des rassemblements de plus d'autant de personnes et tout. Même le premier concert de Fally Ipupa à l'hôtel Rotana a été reporté. Il vient de jouer ce concert là récemment et tout. Alors du coup, ils ont communiqué autour de ça. Comme vous le savez tous, ça a été une opportunité pour que les détracteurs se mettent à clasher Fally ouvertement en disant qui n'a pas vendu le billet, qui s'est fait défiler, nanani et nanana. Tout le clan Proferigola et j'en passe se sont mis à clasher l'artiste Fally Ipupa. Je pense avoir recadré certains dernièrement. Mais le roi du festival s'est dit, je ne peux pas louper l'opportunité d'exister. Voilà, tout le monde sait que je suis pote à Diamond. Ok, et que Tanzanie, c'est devenu ma maison. Alors, Inosby se dit que, voilà, je ne peux pas louper l'opportunité d'exister. Surtout qu'avouons que ma collaboration avec Rebo Chulu ne décolle pas. Alors, on a fait tous un tour sur les réseaux sociaux de Inosby où nous avons vu ce poste de provocation de chat. Il nous poste ceci. Tout se passe à merveille en Tanzanie. Bisonde Covid tokoli angona pour nous. Et il met la photo d'un concert. Ok? Pour faire croire aux gens que voilà, il y a des concerts qui se font en Tanzanie. Que Fally s'est défilé, qui n'a pas vendu le billet. Donc, au fait, il vient genre faire la confirmation de la rumeur qui circule partout sur les réseaux sociaux, comme quoi Fally Ipupa s'est défilé parce qu'il n'a pas vendu le billet, nanani, nanana. À quelques jours du concert, il a décidé de s'enfuir. Alors, cette rumeur qui circule, et lui met ça sur ses réseaux sociaux. Et les détracteurs ont pris ça et ils ont pris Inosby au sérieux.
Or, quand la décision a été prise, peut-être que ces gens ont dit que voilà, on va prendre des décisions, on va tout fermer. Mais ça va être fermé peut-être dans 3 jours. Donc, c'est-à-dire que ceux qui sont avant les 3 jours, qui ont des dates, ils peuvent jouer, n'est-ce pas? Oui ou non? Je pense que c'est la logique. Alors, pendant que cette décision-là se prenait, Inos B a voulu faire croire à la terre entière qu'il y a des concerts qui se jouent en Tanzanie, que Fally Ipupa a juste fui, il n'a pas vendu de billets. Alors, pendant que ça clashait sur les réseaux sociaux à tout va, tout le monde se posait la question de savoir, mais pourquoi Inos B a fait ça? On tombe tous comme ça sur les pages d'information de la Tanzanie, qui dit officiellement que la décision, d'ailleurs les pages, vous êtes en train de les voir là, que la décision du gouvernement est là, c'est confirmé, c'est officiel, plus d'événements de concerts et tout ça, des regroupements de plusieurs personnes jusqu'à nouvel ordre. Donc, toute festivité, concerts et tout ça est annulé. OK? Et d'ailleurs, cette information est même diffusée ou encore publiée sur France 24 d'une manière officielle. Doit-on croire à la rumeur ou encore aux fausses informations que Inos B et tous les détracteurs de Fally racontent, ou on doit croire à ces chaînes d'information? Parce que je pense que lorsqu'on avait le confinement, lorsqu'on était en plein dedans, nous tous on suivait ces chaînes au fait pour être informés par rapport à la situation Covid qui se passait à travers le monde. Donc même France 24, Fally a payé toutes ces chaînes internationales qui se sont permis de communiquer autour des mesures sécuritaires qu'a pris les autorités tanzaniennes autour de cette maladie Covid, bien entendu. Ils ont décidé de mettre un terme à tout événement de grande envergure, entre autres les concerts et tout ça, nanani et nanana. Alors, certaines personnes ont dit que voilà, c'est Inos B qui a fait le concert et tout. Inos B aussi a un concert en Tanzanie qui aura lieu, fallait un menti, nanani et nanana. J'ai même vu des gens m'écrire ça. Écoutez, avant que j'entre vraiment, vraiment là où je veux aller là, je dis, hein, si Inos B, on dit qu'il n'y a pas concert en Tanzanie, lui, on le permet de jouer. Lui qui est Mister Festival, déjà les festivals, il n'y en aura pas en Tanzanie parce qu'on empêche les concerts. Mais si par hasard, ce n'est pas dans un festival, c'est un concert de Inos B, on lui a autorisé pour qu'il joue en Tanzanie là. C'est parce qu'au fait, le gouvernement sait que ce n'est pas un concert. Peut-être que le gouvernement tanzanien pense que c'est juste une rencontre entre amis ou une fête d'anniversaire, quoi. Ils prennent même pas ça au sérieux parce qu'ils savent qu'il y aura moins de 50 personnes. Maximum 50 ou 100. Donc pour lui, ça serait un concert. Pour le gouvernement tanzanien, ça serait une fête d'anniversaire ou rencontre entre potes. Voilà pourquoi on va l'autoriser. Parce que Fally devait réunir des milliers de personnes. Lui, il ne fait pas des petits concerts. Même quand il met sa table à 1 million de francs CFA ou à 2 000 $ la table, il réunit du monde autour de lui. Vous voyez? Donc, si on a autorisé à Inos B de faire un concert là-bas pendant qu'il a l'habitude de jouer dans des festivals, c'est parce que le gouvernement pense que c'est une rencontre entre amis ou une fête d'anniversaire, quelque chose de simple. Peut-être même qu'il pense que c'est un regroupement familial, une famille à réunion. Parce que si vous perdez un être cher, vous êtes obligé de vous rencontrer même à 100 parce que vous avez perdu un être cher dans votre famille. Ils vont dire on interdit regroupement, mais on ne va pas vous empêcher de faire votre deuil. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a une remise de dot, votre enfant se marie, ils vont autoriser, même s'ils ne veulent pas, mais il faut bien que quelqu'un prenne la dot. Le gouvernement va autoriser. Peut-être qu'il voit ça dans cet angle. Donc, si Inos B a une rencontre amicale en Tanzanie là-bas, que lui, il appelle concert, dites-lui que ce n'est pas pour ça que le gouvernement a dit que les gens restent chez eux, qu'il n'y a pas concert, qu'il n'y a pas événement. Le gouvernement parle des grandes rencontres, des vrais événements, c'est-à-dire des personnes qui réunissent des foules. Donc, comme Fally devait réunir le monde autour de lui, c'est pour ce genre de cas-là qu'on dit « restez chez vous ». On évite les risques de contamination, on réduit ça, allez prendre d'abord les vaccins et tout. Parce que l'Afrique, là même, à l'heure là, l'Afrique, il y a de ces pays, par exemple, la RDC, qui sont en zone rouge. Donc, il faudrait vraiment réduire les risques de contamination. Inos B, on aime ton sens de l'humour. Hein. Pour le moment, de toute façon, les festivals, il n'y en aura pas. Si tu veux organiser une rencontre amicale ou fête d'anniversaire, je vois qu'il n'y a pas une forte musique en Tanzanie, on ne va pas t'empêcher, ça faut faire. Mais s'il te plaît, suis d'abord la promotion de ta collaboration avec Rebo Chulu. Votre musique qui fait maintenant courte durée, là, votre musique courte joie, à peine ça sort, après on n'entend plus. Les gens ne parlent pas. Toi, tu commences à lancer des pics aux gens. Tu es le premier à le faire.
Maintenant, quand les gens sur la toile vont réagir en fonction des pics que tu lances, c'est pour commencer à chialer dans les voice comme quoi, ouais, et tout ça, vous me calculez pourquoi, calculez les autres, nanana. Ces autres-là, pendant que toi, tu es en train de traîner dans ce que tu traînes là, tu vois, quand toi, tu es en train de poster l'histoire de la vie de Fali, hein, tu n'as pas vu ton frère Guest te calculer, hein. Après, quand tu vas aller chialer dans le voice, tu vas le citer avec Robin Yomundibu. C'est Abiwan qui n'a pas pu te donner une claque. Je suis sûre que cette fois-là, c'est dans ta maison qu'il viendra. Chiale encore avec par voice. Attends, je vais appeler Guest, je vais t'accuser, je vais lui dire ce que toi, tu as fait. Moi-même, je vais appeler Guest, je vais lui dire. Parce que pendant que toi, tu fais tes conneries là, Guest est en train de danser avec Alexandre Song dans sa maison là-bas avec un homme blanc. Ils sont en train de danser. Et lui, tu connais Alexandre Song? Tu connais le gars? Tu sais qui il est, non? Il est en train de danser avec le type. Ils sont en train de danser Kibokol. Il lui montre les chorégraphies à faire. Je pense que tu vois la photo en train de défiler. Voilà ton ami qui fait des choses comme ça. Sur sa chanson, une vieille chanson déjà sortie. À l'instant où il a dansé, c'est avec une star comme ça. C'est-à-dire que la communauté qui suit cette star-là, s'ils n'ont pas encore regardé cette chanson, ils vont aller, ça va rajouter des vues chez ton frère. Et même nous, les personnes qui suivent Guez sur ses réseaux sociaux, quand on a vu ça, on s'est dit, ah, cette chanson est une belle chanson, hein, ça donne encore envie de l'écouter. On est encore parti sur les plateformes, on a streamé, ça nous a fait nostalgie. On est parti, on a écouté sur YouTube. Et pendant qu'on écoutait sur YouTube directement, on a vu la notification de maîtresse. Sois ma maîtresse, sois ma maîtresse. Regarde, même maîtresse, ça joue plus que ta collaboration qui est sortie avec Rebo dernièrement. Tu ne fais pas promotion, tu ne calcules pas. Jusque-là, je sais que tu es inquiet, ça te fait mal parce que tu as loupé l'histoire d'un pigeon dans ton clip. Tu regrettes amèrement le fait qu'il n'y a pas d'oiseau dans ton clip là. Voilà pourquoi ça n'a pas donné. Si, si. C'est parce qu'il n'y a pas d'oiseau dans ton clip qui ne s'est pas donné que tu commences à t'accrocher à n'importe quel buzz. Ça te regarde. Le gars en a dit son concert est reporté. Toi, ton problème, il est où? Ok. Va suivre l'affaire de Fali. Au cas où tu ne sais pas, la famille, je vous informe. Pendant qu'il n'ose bien rédiger son texte débile là, mettre sur sa story Instagram, je dis c'est mon Congo, c'est ma marmaille. Suis bien, il n'ose bien. Pendant que toi, tu te mets de la vie de Fali là, ton passé t'a rattrapé, hein? Je dis sur Internet, les captures restent, les vidéos restent. Il y a des choses, hein? Pendant qu'Inosbi se mêle du fait que le concert de Fali a été reporté. Vous, on va faire comme ça. Vous voyez, pour les gens de faire, ils sont venus se moquer du concert de Fali de Tanzanie. On leur a rappelé leur concert de la Côte d'Ivoire. Pour Fali, on n'a pas dit annuler, on a dit reporter pour une date ultérieure. Eux, ils sont venus pour s'acharner. Ils ont cru que c'était opportunité pour eux pour se moquer. Oh, ils ont oublié leur flop de la Côte d'Ivoire, là. On a rappelé ça. C'est pareil pour toi, frère. Pendant que tu rédigeais ton texte et que tu mettais ça sur les réseaux sociaux, mon cher Inosbi, the king of festival. J'espère que j'ai bien prononcé en anglais. Je dis king. Pendant que tu étais en train d'écrire tes histoires, là, il y a quelque chose qui se passait, hein, dans l'autre temps. On m'a sorti des captures et une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. J'ai dit, on m'a envoyé ça. Inosbi. On dit que dans cette vidéo-là, que la majeure partie de tes followers sur tes réseaux sociaux sont des fakes. On dit que non seulement Inosbi, toi, tu es Mr. Google Ads. YouTube t'a certifié dans ça. Tu sors chanson, tu mets Google Ads. Tu sors chanson, tu mets Google Ads. On dit qu'à part ça même, à part ton délire de Google Ads, tu boostes aussi les abonnés. Donc, tu boostes vues sur YouTube, tu boostes aussi les abonnés sur tes réseaux sociaux. Ce n'est pas moi, les preuves sont là. Regarde la vidéo qui est en train de défiler là. C'est ça ton histoire. On dit pour toi là, c'est comme ça. On dit, regardez, Inosbi booste ses followers. Vous-même, il faut venir parler. Adama, on peut faire ça. On dit que tes followers sont des fakes. La plupart, c'est des faux comptes. Inosbi, j'ai vu la gueule des Indiens, ceux qui font les cabelles pour filles, là. Et puis, ces Indiens-là qui font des cabelles de mauvaise qualité. Les cabelles aux gens, tu achètes, tu vois que ces cabelles, tu mets deux semaines après, si seulement ça prend l'eau un peu, ça devient dur comme je ne sais pas moi quoi. Je dis, on a vu la gueule des Indiens qui font les faux cabelles, là.
parmi tes comptes Facebook. Et puis non seulement ce gars, il fait des faux cabelos. C'est un faux indien. Il n'a que 3 photos sur son compte. Il a une sale gueule, il est sale le type. Et il a 9 followers. On peut faire ça. On a vu la gueule des Pakistanais. Inosbi, des Pakistanais. Avec 12 followers, ils te suivent, Inosbi. Regarde, ça défile tonton. D'où viennent ces gens? On a vu des comptes vides, comptes nus. 100 photos, 100 likes, 100 followers, rien, un compte blanc. J'ai jamais vu une telle piraterie, quoi. Tonton, qui sont ces gens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sort d'où ça? J'ai dit, pendant que tu rédigeais ton texte, voilà ton affaire là. Et puis les amis, c'est pas moi. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Je pense que vous l'avez tous vu. Et d'ailleurs, si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à aller suivre ces followers one by one. Parce que même moi, tous mes followers que vous voyez, les 14 000 followers que j'ai sur mon compte Instagram là, c'est des vrais. D'ailleurs, les vraies personnes, faites vite, allez vous abonner sur mon compte Instagram, c'est Demeure Officielle. Allez vous abonner sur ma page Facebook, c'est Demeure Officielle. Et puis, les winners ont fait une page Facebook, une page fan, les winners de Demeure Officielle. Allez vous abonner là-bas aussi, c'est important. La série sort bientôt. Voilà, je fais mon placement produit comme ça, de chat. Inosbi. Inosbi. Il y a les Pakistanais. Inosbi, il y a les Indiens. Inosbi. Il y a les Chinois. Ils nous disent, tu as des Chinois. Les Chinois qui fabriquent les Motorola V3. Les Motorola Maya Pondou. Les Motorola où on écrivait M derrière un noir avec l'antenne. Mais ce vieux Chinois-là, il est encore en vie. Il est abonné sur ta chaîne, ta page. Ils nous disent, c'est quelle fréquentation ça? Et puis ils ont 25 abonnés. C'est quoi? C'est flippant ton compte, Inosbi. Inosbi, j'ai vu le Coréen qui a fait le tout premier Samsung. Le Samsung qui s'ouvrait comme ça. Pliable, avec antenne. Le petit gris là. Le gars, il a déjà vendu la licence. De toute façon, il est devenu pauvre. Il ressemble à rien. Il est vieux. Un vieux papa comme ça. J'ai dit, mais c'est qui ce vieux-là? Il a 70. Oh non! C'est les Coréens qui ont fait ça. J'ai dit, ah! Inosbi! Est-ce que c'est normal? D'où viennent ces gens? Même ceux qui ont fait les Nokia et les torches, là. Ah! Inosbi! On a dit que tes followers sont des fous. Allez vérifier d'abord one by one tes followers. On a dit 50%, Inosbi, tu as acheté la moitié. Toi aussi. On fait doucement. Tout ton affaire, là, toujours exagération. Quand tu fais Google Ads, en 1 heure, tu as 1 million de vues. Exagération. Toi, je ne peux pas faire les choses petit à petit. Et, en tout cas, on va vérifier la publication, là. On va aller suivre ça de près. Parce que c'est choquant. Et, c'est vrai, hein, que pour les artistes, vous avez besoin de gonfler toutes ces choses pour votre visibilité. Mais vous perdez toute crédibilité. Ça fait honte. On aimerait que vous puissiez être ce que vous nous dites que vous êtes. Pourquoi on comprend que tu traînes que dans les festivals? Si même les followers de ta page sont des faux. Hein? Ah, vous commencez à choquer là. Fatigué? C'est pas normal. Ne me dis pas que tous ces 9 followers, 2 followers sur les comptes, c'est-à-dire genre, ces gens-là se sont abonnés et puis ils sont morts. Quand même. Pourquoi ça doit être seulement des gens à la nationalité douteuse? Tu regardes ses yeux, le gars, il a le teint des Pakistanais. Mais quand tu regardes les yeux des Chinois, tu regardes les cheveux des Indiens, tu te dis, mais c'était insémination artificielle, ça grossesse ou quoi? Hé, Inosbi, c'est flippant. C'est quelle race ça? Et puis le gars, il a la peau rouge. Tu te demandes, il s'est bronzé? Il est qui? Inosbi, c'est pas normal. Tu es trop dans la distraction, frère. Réveille-toi. Et puis arrête d'abord les Google Ads et les boostages des abonnés. C'est pas crédible, frère. Tu perds toute crédibilité. Et puis après, c'est toi qui viens chialer dans les votes. Oh non, et tout ça. Calculer les gaises. Pas moi. Moi, je suis rien. Nanana, moi, j'ai pas besoin de ça. On veut te soutenir.
soutenir mes frères. Quand tu fais ça comme ça, ça passe pas, papa, ça passe pas. Hein? Inos Bio, je t'aime trop, mon frère. Je t'aime trop, mais des fois, tu me motives pas, tu me motives pas. Et puis, Inos Bi, toujours pendant que toi, tu écrivais tes choses là, tu sais, tu sors ta collaboration avec Rebo là. Si elle est vraiment enceinte, il faut bien que quelqu'un fasse la promo. Toi, au lieu de faire les challenges et de faire la promo, je sais pas si vous avez fait l'Ouakoutou Samba avec Rebo Chulu ou pas. De toute façon, la dot, c'est maintenant à $500. Je pense que c'est une affaire que tu peux régler rapidement. Bon, elle pouvait passer à moins que ça, d'après les statistiques qu'on nous a donné des dots. À 200 ou je sais pas combien. Mais, puisqu'elle est enceinte, donne seulement les 500 au total. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'Ouakoutou Samba, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut régler ça, il faut l'épouser. On attend ça, une once-bi. Mais ça, ce n'est pas trop notre problème. Mais la meuf, elle est enceinte. Elle ne peut pas faire la promotion de votre collaboration. Fais la promo de votre collaboration. Ou toi aussi, tu as la flemme de la grossesse. Ce n'est pas normal. Et au lieu de traîner sur la promotion des trucs que tu as fait avec les gens de Wasafi, ta collaboration avec Rebo, et puis la chanson que tu as sortie avant, mais on ne sait pas où est-ce que c'est passé, toi tu traînes sur les histoires de Fali. Voilà vraiment dans ton passé, non seulement on sort tes comptes fake, on voit que toi tu ne calcules pas tes promotions. Toi aujourd'hui, si tes chansons connaissent la visibilité, c'est parce que tu t'accroches à Fali. D'ailleurs, je vais te donner la preuve. Inos Bi, j'ai devant moi ton tout premier album, tu n'en parles jamais. Tu fais genre, ouais, tu conseilles pas les albums, tu conseilles les singles one by one, parce que c'est comme ça que tu réussis à faire ton buzz. Papa, quand même, tu vas pas mettre l'oiseau, le pingouin, le dindono, le canard, et le tchakou, et tous ces volailles-là, tu vas pas tous les mettre dans tous les clips de tout un album de 32 titres. Ça passera pas, ça sera pas crédible, papa. Tu vois, non? Donc, on comprend parfaitement que tu ne sais pas faire des albums. Et parce que tu sais que tu n'es pas fort en promotion. Toi, pour que la promotion marche, apparemment, il faut que tu piques les autres. D'ailleurs, en 2014, Inos Bi, tu avais fait une publication concernant un de tes albums. En 2014, tu as écrit « Très heureux de vous informer que mon album Innocent Vol 1 sur DVD, bientôt sur le marché de disques ». Tu as mis le point des suspensions et puis tu as écrit « Déjà le lancement officiel est prévu pour le 25 avril 2014. Merci pour votre soutien. » Mon frère, toi-même ton album sorti en 2014, comme tu n'avais pas fait suffisamment la promo, tu n'as pas suffisamment communiqué. Bon, enfin, à l'époque aussi, tu n'avais pas la visibilité que tu as aujourd'hui. Tu as reçu l'aide des personnes de gauche à droite. À l'époque, tu étais en bon terme avec Fali. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Voilà pourquoi tu es toujours à fond sur cette histoire-là. Je vois dans tes publications, il y a Ferrego, là, il y a Céléoscram. Donc, les aînés t'ont accompagné, t'ont soutenu. Tu étais un jeune sorti d'un concours et tout ça. Ben, voilà. Tu as reçu quand même un soutien venant des aînés de la musique. Mais la promotion, c'était pas trop ça, l'album n'a pas trop donné. Mais tu n'aimes pas en parler. J'aurais fait ma lecture. Très heureux de vous informer que mon album Innocent Vol 1, sur DVD bientôt sur le marché de disques. Déjà le lancement officiel est prévu pour le 25 avril 2014. Merci pour votre soutien. Voilà même la pochette de l'album où tu as rigolé. Tu as vraiment rigolé. Et puis, ton sourire, là, c'est tellement bien que si tu avais contact avec Flodan ou Colgate, ça allait être un très bon spot. Parce que tu as tellement bien souri avec ton mazopo, ton monire et tout ça. Là, tu as mis tes lunettes et tout à côté de ton vieux Ferrego, là, le padre, Nika Boronina, qui t'a pas lâché. Il était là avec toi et tout. Ah, voilà, tu as trop bien souri, Inos Bi. J'adore ses sourires, j'adore sa photo. Ta photo, ça sent l'innocence dans ton regard, Inos Bi. Non, je kiffe. Je kiffe énormément, hein, tu vois. Et puis, il y a une autre là où tu as vexé Léoscram, mon cher. Tu avais reçu quand même le soutien des aînés. Mais la promotion, ce n'était pas trop ça. Un artiste ne doit pas ignorer ses œuvres. Tu ne dois pas les abandonner. Tu dois parler de ça. Aujourd'hui, tu es devenu Inos Bi. Les gens qui te connaissent aujourd'hui ne connaissent pas ton passé. Peut-être qu'ils voudront bien connaître ton parcours. Qui sait? Tu aurais pu commencer à parler à chaque fois que tu avances dans ta carrière de ton premier album. Tu dis que ça n'avait pas connu le succès que ça devait connaître. Tu prends même 2-3 chansons, tu remixes ça ou tu remets ça sur le marché. Tu fais consommer encore aux gens et tout. Tu fais des challenges avec. Ça va attirer le regard. Je te dis, ouais, ah ouais, mais cette chanson a été bien, mais pourquoi ça n'a pas marché et tout. Dis-moi pour la rater. Et si c'était sur les plateformes, ton succès d'aujourd'hui peut t'aider à réveiller ces chansons-là.
Toi-même, tu n'es pas fort en promotion pour toi-même. Toi, pour que quelque chose passe autour de toi, il faut que tu cites ton frère Igéz ou tu pars citer tonton Fali. Mais au fait, pendant ce temps, ton ami joue avec Alexandre Song, ils sont en train de danser, papa. Et puis, maîtresse, ça cartonne. Il y a sa collaboration avec Fanglish, Vange Dream, je ne sais pas, qui va sortir bientôt. Il était en train de traîner avec les NASA dernièrement et les Keblek ici, probablement qu'ils ont fait des choses. Ton ami est dans ça. Ton ami bosse, il vient de sortir des concerts. Il vient de Brazzaville, là. Tu as vu? Tu as vu? Ton frère vient de Brazzaville, hein? Regarde comment est-ce qu'il était accueilli comme un roi. Le goût de chat, papa. Regarde-toi, pendant ce temps sur tes réseaux sociaux, regarde ce que tu fais. Tu penses que lui, là, il n'a pas des personnes à clasher dans la musique. Pourquoi les gens ne font pas ça? Toi, tu aimes bien provoquer les gens. Hein? J'espère que tu assumes ce que tu dis. Commence aussi par assumer ton album. Garde ton œil sur tes œuvres. Parle de cet album. Nous allons tous aller rechercher ça. On va aller chercher les titres de cet album. J'avais deux chansons là que j'aimais bien à l'intérieur. Trois même que j'aimais bien à l'intérieur. Pourquoi t'en parles pas, mon frère? Pourquoi t'en parles pas? Quelqu'un m'a confié qu'il y a un titre de cet album là que Inosbi a ressorti en single. Je ne me rappelle plus si c'est quelle chanson. Il a un peu retouché, il a modifié. Mon cher, parle de tes œuvres. Au lieu de traîner sur l'histoire de Fali, le vieux là tel qu'il est là, il a tout fait. Il peut dire aujourd'hui, je fais jubiler, je fais te construire, puis c'est fini, je clôture ma carrière. Qui peut l'en vouloir? Le gars, il a fait beaucoup que ses aînés n'ont pas fait. Même si les gens aiment douter de ça, voilà. Vous avez vu quel aîné s'asseoir et parler de streamer des plateformes et dit j'ai fait des millions de vues. Les gens ne calculaient pas ça. Vous connaissez quel aîné qui a fait des concerts à 2 000 $ la table? Il n'y en a pas. Le carnet d'adresse là, il n'y a pas. Et vous, vous pensez que Inosbi traîne là pour rien? J'ai ouï dire qu'un jour, on va entendre des choses ici. Ça arrivera. Notre frère, il est là, il aime trop les petits buzz beau marché. C'est pas digne de toi. Tu as déjà ton petit succès, tu évolues bien et tout. Calcule ce qui se passe devant ta porte. Est-ce que tu t'es obligé de lancer des pics au concert de Fali qui est reporté? Et puis, les gens des Ferrés peuvent faire ce qu'ils veulent, clasher Fali pour son concert reporté et dire que c'est annulé. Eux, ils sont comme ça. C'est leur folie. C'est-à-dire, on voit un maître Gims qui monte sur le podium et dit « Ah, Fali, tu es mon grand frère. En tout cas, c'est toi qui nous as montré le chemin. » Eux, comme ils ont demandé feat à Gims, Gims n'a plus le droit d'être ami avec Fali. Donc, il fallait que Gims fasse d'abord le feat avec eux et puis il peut dire bonjour à Fali. Ils en ont fait tout un problème. Ils ont clashé Gims ici gratuitement sur les réseaux sociaux. Ça a même abîmé le projet de la collaboration. Ça ne va plus voir le jour. Eux, ils sont comme ça. C'est leur façon. Est-ce que d'ailleurs, ils ont même quelqu'un à contacter en Tanzanie pour vérifier l'information avant de venir publier des conneries? Ils sont là, les informations sont publiées sur Google, sur les réseaux sociaux officiels de chaque pays. Mais ils ne vont jamais faire des recherches. Ils préfèrent poster des fausses informations. Ils sont réputés pour ça. Mais toi, au moins, tu es ami à Diamond. Tu peux contacter tes amis des Wasafi, tes petits camarades des Wasafi ou Diamond et tout. Ils vont te donner... Et plutôt, tu veux dire que toi, tu ne sais pas que là-bas, ils ont dit ça. Tu veux nous dire que c'est faux. Pendant que c'est sur France 24, sur les chaînes internationales, on parle de la situation en Tanzanie là-bas. Les grandes chaînes d'information, d'actualité du monde en parlent. Toi, tu veux nous dire que toi, tu ne savais pas. Que toi, tu n'étais pas informé. Est-ce que tu étais vraiment obligé de venir te ridiculiser dans des petits buzzbo marchés comme ça? Pourquoi tu utilisais tous les volailles dans tes clips? Ah, heureusement, il y a encore dindonon, pigeon et puis canard que tu n'as pas utilisé. Parce que franchement, je te jure, ton affaire devient compliquée. Même toi aussi, tu as un peu de visibilité. Il y en a dans cette communauté qui font un succès à la carrière dure. Comme les haricots des militaires. J'ai dit, il y a de tes grands frères ici qui ont la carrière constipée. J'ai dit, ça passe mal. On commence à chercher pour eux les oranges ici. Toi, tu veux entrer dans cette lignée-là. Toi, au moins, pour toi, ça glosse un peu de temps en temps. De fois, on t'invite dans les festivals. Tu sais que tes grands frères ici font 1 année, 2 ans. On leur invite même pas dans fête d'anniversaire de nouveau-né. Tu as vu, Il y en a qui ont mis t-shirt de bière. Il y en a qui ont mis t-shirt d'entreprise de télécommunication. Il y en a qui ont mis des choses, J'ai dit... C'est difficile, oh. Toi au moins, on t'invite dans des festivals. Comporte-toi dignement.
Tu es là, tu commences à faire façon. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça. Réfléchis à ce que tu fais. Réfléchis à ce que tu fais. Faut t'accrocher à des bonnes choses. Et pas à des bad buzz comme ça. Qui n'ont ni tête ni queue. Qui n'ont même pas lieu d'être. Hein? Qui te décrédibilisent comme ça pour rien. Tu as mieux à faire. Laisse les gens traîner dans leur connerie. Toi, fais. Voilà. Ta starmania, quoi. Hein? Donc, voilà. J'espère que ce que j'ai dit, ça va choquer personne. Tout ce que j'ai dit, c'est sur les réseaux sociaux. Inosbi doit se concentrer sur sa carrière, sur la promotion de ses trucs. Ces petites distractions-là, à croire que Inosbi ne peut pas être en actualité s'il ne pique pas les autres. On ne peut pas parler de lui s'il ne pique pas les autres. De toute façon, même on fait émission, vous allez être choqués sur ce qu'on a dit. Lui-même, ça ne va pas le choquer. Il voulait qu'on parle de lui. Après tout, il a sorti une chanson. Depuis qu'il a sorti, demain, on n'a pas analysé dessus. J'aime le clip. Quoique j'avais l'impression de du déjà entendu. J'aime la qualité du clip. Hmm? En tout cas, tes frères, ils réalisent bien. Ils font bien leur taf. J'ai aimé la qualité de l'image. J'ai aimé le côté professionnel. En tout cas, c'était bon, c'était clean. En tout cas, les sites, c'était juste magnifique. C'est vrai qu'il y avait un peu de ressemblance avec quelques séquences de certains clips de Rebo. Et puis dans la Corée aussi, il y a quand même un peu de ressemblance. Mais une chose est sûre, que c'était nickel, c'était classe, c'était chic. Ça donnait envie de voir, au fait. C'était beau à l'œil nu. Comme ça, quand on regardait, on appréciait ce qu'on voyait. Après, c'est vrai que le texte, c'est pas trop ça. Non, il y a... Bref... Je ne sais pas, c'était... Mais, en tout cas, une chose est sûre, et que la jeunesse a apprécié, les jeunes ont dansé. Vous savez, nous, on a pris de l'âge. Nous, on est en mode 8e merveille. On est en Nairobi. On est dans maîtresse. Nous, c'est du réfléchi, quoi. On aime quand ça parle et que ça dit des choses, quand ça communique, vous voyez. Mais, en tout cas, la jeunesse a apprécié. C'est très bien. Ça agrémente vraiment à fond. Le 28 octobre, le jour de l'anniversaire de Melkani Italiana Dream, je pense que ça sera carrément le son de la fête. On va s'enjailler sur ça, pas de souci. Hein. En tout cas, ça a accroché, c'était top. Félicitations, moi j'ai aimé. Après, s'il te plaît, Rebo, travaille sur les textes, parce qu'apparemment, tu as un problème avec les textes. Trouve-toi un parolier, ma chérie. Tu as le peps, tu as le flow, tu as tout ce qui intéresse au fait... Tu as l'âme de l'artiste, quoi. Tu as toutes ces choses, tu as tous les atouts. Tu sais danser, tu es belle, tu as tout pour toi. Rajoute les textes et crée des instrus. Inspire-toi, ouvre-toi l'esprit. Ne te renferme pas trop. Il ne faut pas faire du ça. Non, à un moment donné, on va se fatiguer, on ne va plus consommer. Même dans les festivals, on prendra plus, on dira, oh, on a l'impression que c'est la répétition. Donc voilà, faites ça bien. Donc voilà un tout petit peu ce qu'il en est de tout ce qui s'est passé ce week-end et tout. Si quelqu'un va penser qu'on l'a fait parce qu'on nous a payé, nanana, parce que nous sommes des pros quelqu'un, au fait, il n'aurait pas taclé Fally, il n'aurait pas lancé des pics autour des concerts en Tanzanie, ben personne n'allait le calculer au fait. Personne n'allait parler de lui. Après, Jean, le gars, il lance des pics, il fait des trucs. Quand les gens parlent, ça sera la victimisation au sommet de la musique congolaise. C'est comme si quelqu'un était venu le lapider à domicile, quoi. OK? Pourtant, ce n'est pas le cas. La provocation est là. Et nous tous, nous savons que c'est de la provocation. Mais nous, on l'a aidé à dire ce qu'il n'a pas été capable de dire, au fait. À un moment donné, dans votre polémique, hein, ayez un peu de couilles toutes les personnes qui font la polémique. Citez les noms des personnes que vous estimez être vos détracteurs ou que vous ciblez. Parce que je comprends pas des vrais hommes et tout qui se disent ouais nana no konaya. Quand il s'agit de lancer des pics, incapable de citer les vrais noms, quoi. Vous lancez dans le vide. Non, à un moment donné, arrêtez, tu vois. Inosbi, t'as déjà fait ce que t'as fait. T'es sur le bon chemin. T'as plus besoin de ça. Ok, t'as gratté un peu pour exister. On fait toujours ça aux aînés. On fait toujours ça envers les personnes qui ont un peu de visibilité ou qui ont plus de visibilité que nous. Après, à un moment donné, lâche l'affaire, frère. Trace ton chemin. Fais ton taf. Aujourd'hui, tu as imposé ton nom, excusé. Tu n'as plus besoin d'exister à travers les autres. C'est comme si tu te sens incapable de vivre de ton propre nom. Constamment sur le dos des autres. Pourquoi? Ton délire de Google Ads, on commence à en parler comme ça. Hein? Comme quelqu'un a dit, il suffit de rencontrer Davido ou Diamond
tu deviens tout de suite accro à Google Ads. C'est ta pratique. Après, ce n'est pas illégal. Mais à un moment donné, gratte plus derrière les autres. Fais ton taf, fais la promotion de tes trucs. Reste-toi. Ne les calcule pas. Sinon, à un moment donné, on se dit, on conclut que sans eux, tu n'existes pas. Sans eux, ta musique n'a pas de sens. Afro, machin, nanana. Mais après, si c'est pour vendre cette musique, il faut d'abord gratter les autres pour exister. Tes frères font des bons clips. Tes frères réalisent bien. C'est top. Si demain, je veux me lancer aussi dans la carrière musicale en dehors du cinéma, je n'hésiterai pas de prendre un de tes frères pour qu'il réalise mes clips. Parce que je sais au moins qu'il y a la qualité. Mais quand je pense à King Chris, la main d'or, je me dis, ah, c'est vrai que les frères de Inos B font bien, mais King Chris, sa particularité de chat, je serais un peu coincée. Mais bref, ils font bien leur taf. Ils te vendent bien. Ils ont des bonnes inspirations. C'est vrai que des fois, ils s'inspirent aussi de ce qui se passe ailleurs, mais c'est comme ça, au fait, que ça se passe. Donc, Inos B, réfléchis sur la suite de ta carrière. Si tu veux continuer d'être là à gratter le succès des autres pour exister, eh ben, nous, on sera là aussi. Pour le Congo, ça, pour la marmaille, c'est un peu ça. C'est pas genre, on te tacle, mais on fait juste un récap vite fait, tu vois, genre. Donc, bref, je reviendrai plus tard pour le challenge des comparaisons des chiffres sur les plateformes, des calendriers, des concerts, et j'en passe. Et même des vrais followers et des vrais abonnés. Parce que c'est honteux, au fait. Mieux vaut avoir 300 vrais abonnés, au moins tu as une dignité, que d'avoir 1 million et puis tu as 50% faux. C'est plus crédible, tonton. Hein? Ah, quand on dit ça ou on dit ça. Hein? Je dis ça, je dis rien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Rendez-vous le 27 juillet à 20h pour le tout premier numéro. L'épisode 1 de la série Victime de Demeure Officielle. Donc, n'hésitez pas d'être là à temps et à l'heure. Likez, partagez, commentez, c'est important. On vous apporte une nouvelle touche. Donc, ça sera tous les jours à 20h quand vous aurez droit à un numéro de la série Victime. N'hésitez pas de consommer massivement et de le partager autour de vous. Sinon, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je porte dans mon cœur et je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Après tout ce que moi je fais pour toi, c'est comme ça que tu me payes. Je suis homosexuel, je n'ai jamais couché avec ça. Arrête ça, s'il te plaît. Je t'aime. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Oui, je t'aime, Ryan. Je t'ai toujours aimé. Quand on va commencer à rester éveillé tardivement la nuit, à former du moitié, mais reviens quand même temps pour nous. Hein? Je reconnais que mon fils, hein, sa soeur est là, tu sais. C'est un garçon trop capricieux. Ah, c'est toi qui vas me dire. Je ne t'avais pas pris, j'étais habillée, j'étais maquillée. Tu t'es dit, tu es obligée de te marier. Toutefois, ce que moi je t'ai dit était une voix extérieure. Seigneur. Tu avais les devoirs d'écouter ton intérieur. Ah. 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 Ah.